Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you thought we had something special, but you don't mean nothing to me. Girl, I'm sorry, you not the one for me. Bonjour à tous, c'est Azox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spintier Mud Runner. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le second défi, donc réparation et ravitaillement. Réparer et ravitailler les camions avec d'autres camions, puis livrer les rondins à la Syrie. Enfin à Syrie. Objectif bonus, effrayer 10 oiseaux avec un klaxon, ne traversez pas le pont et trouver et écraser une citrouille. Bon, la citrouille, je sais pas si on va la trouver. Les 10 oiseaux avec le klaxon, faut que je regarde dans les paramètres où se trouve le klaxon. Contrôle, phare, c'est là. Ok, klaxon, c'est RB. Tiens, je regarde en même temps. Vue remorque, déplacer caméra, ok. Traction intégrale, frein à main, tirer treuil, treuil rapide, blocage différentiel, accéléré, mode. Ok, nickel. Donc c'est parti pour le défi numéro 2. Et on y go. Aïe. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Carburant, déjà il n'y a pas d'essence. Donc on va arrêter le moteur. Pour livrer les rondins que vous transportez à Syrie, le camion actuel doit être ravitaillé. D'accord. Prenez un autre camion avec une citerne de carburant. Tac. Sont où les camions? Tac. Ah, changer de camion. Je suis con, en plus il y a une flèche. Ok. Donc on va passer à celui-là. Le camion actuel peut transporter du carburant, mais il est très endommagé et a besoin d'être réparé. Utilisez le mode navigation pour passer à un camion capable d'effectuer des réparations. D'accord. Donc c'est celui-là. Tac. Ok, bon bah ça a l'air d'être bon. On va démarrer le moteur. Frein à main. Le camion actuel possède un module attelage utilitaire qui peut réparer les camions. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Oh, il n'y a pas besoin de points, c'est au bout à droite. Ok. Alors déjà, si j'allais dans la bonne direction, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Oula. Sûr que c'est là? Ah ouais, ça a l'air. On va essayer de passer ça sans casser le camion. Ouais, ça va, le graphisme est plutôt pas mal. Donc là on voit déjà le camion citerne à réparer.
d'avancer. Tac. On va ranger le camion. Hop, avancer, arrêter le moteur. Et on va changer de camion. Tac. Rejoignez station service pour obtenir du carburant. Ok. Utilisez le mode navigation pour trouver la station service. Bon bah il y a déjà le truc, c'est nickel. La caméra se fait comme ça là. Putain, les chiants de leur vue buggée là. Ah voilà. Bon, la caméra, ils auraient pu la changer quand même, mais bon. On va essayer de faire avec. Ok, alors je sais pas du tout pourquoi il s'arrête. Ah, peut-être parce que j'ai activé le bloc différentiel qui doit peut-être être cassé, je sais pas. Alors, arrêtez le camion et naviguez dans l'interface du jeu. Ciblez puis appuyez sur la touche. Faites le plein pour ajouter du carburant à votre citerne. On va le remplir, hein, pourquoi pas. Hop. Puis bah c'est bon. Alors je sais plus si on a tourné quelque part. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oh non, c'est bon. Le klaxon c'est pas fou. Ah oui, il y avait quoi? Ouais, c'est sur celui-là les 10 oiseaux. Par contre, moi je vois pas où elle est sa citrouille. Hein. Bon. Donc j'ai déjà fait peur à 10 oiseaux. Pour ravitailler un camion, allez dans le mode avancé, sélectionnez citerne de carburant. Ok. Tac. Quittez le mode avancé. On va ranger le camion. Hop, arrêtez le moteur, changer de camion, et hop là. Tac, on le démarre. Et on va aller à la scierie. Donc faut pas passer par le pont. Ok. On va prendre le petit chemin qui est là, alors. Tac. Et voilà. C'est parti. Alors la caméra, franchement, c'est une question d'habitude, mais faut s'y faire quoi, c'est tout, faut juste s'y faire. On va juste faire attention de ne pas couler le camion. Bloc différentiel. Je comprends pas pourquoi il est en rouge, mais c'est pas grave.
J'ai eu peur là, il y a de la musique d'un coup. Je me demandais ce qui se passe. Hop, déchargé. Et c'est fini. Bah, par contre, la citrouille, je l'ai pas trouvé, donc bah, c'est pas grave. Ok, bon, bah, on a 14 minutes. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. L'ascension. L'ascension, suivez l'itinéraire pour atteindre le sommet de la colline. Objectif bonus, n'abîmez pas votre véhicule ou tout autre véhicule. N'utilisez pas le treuil, utilisez uniquement la vie copie lors de la conduite. Ok, ouais, bah je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. 14 minutes, je pense que ça va comme format. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. En tout cas, moi je vous laisse là sur ces images. Et puis, bah, je vous dis bon game et ciao tout le monde.